Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode, et ce nouveau live d'ailleurs, sur Synergie. On reprend notre petite aventure sur la campagne, n'est-ce pas? On était toujours un petit peu en déj de personnel, mais ça va se régler, je pense, ça va se régler. Le temps que tout le monde travaille, tout le monde fasse ce qu'on lui demande de faire, et on vient de terminer l'arboriculture, parfait. Alors, du coup, on va pouvoir faire un nouveau bâtiment, mais ce qui était intéressant, ce qu'on nous demandait, c'était le truc à glisseur, là. Les sables glisseurs. Ah, il faut 120 niveaux de culture pour ça. Ok, zut. C'est embêtant. Du coup, on peut aller chercher le puits. On n'a pas trop de problèmes d'eau. Le laboratoire d'expérimentation, 240 de culture. La menuiserie qui nous permet de faire des instruments de musique et l'atelier des tisserands qui nous permet de faire on ne sait pas. D'accord. Réintroduction de plantes, c'est de la culture, donc ça ne fonctionne pas. Ah, on commence, mine de rien, est un petit peu en déj de recherche en vrai, hein. Si, il fallait qu'on fasse ça. Attendez. Il faut une fabrique pharmaceutique, donc oui, c'est ça. Il faut qu'on fasse ça, et pour ça, il nous faut des outils. On a 0 citoyens disponibles. Ici, on a 4 personnes. On va en enlever un peu. On va rusher les outils. lancer notre recherche. Et salut Warev, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, on n'a pas d'autres recherches, d'autres recettes. Alors, on va attendre qu'ils aient terminé. Il n'y a pas d'outils en stock, hein. Non. Il n'y a pas d'outils en stock. Ok, c'est bon, ils ont fini. L'autre, c'était avec des branches. On n'a pas de branches, ok. Pas de problème. Du coup, on va en réenlever un peu. On va en laisser deux. On va mettre un transporteur de plus. Non, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable de quand même construire. Et du coup, on peut aller lancer notre chair. Alors, c'est ici. Non, il faut d'abord qu'ils sortent les outils, qu'ils les mettent dans le stock, ce qui devrait... Voilà. Ce qui est fait. C'est parti. C'est quoi ces trucs, là? Ah, on peut améliorer l'analyse de terrain, tiens. Impact environnemental. Analyser l'environnement autour de la plante afin de comprendre quelles conséquences l'environnement a sur elle et quelles conséquences la plante a sur son environnement. Ah, intéressant. Et analyse des sols. Mais c'est des trucs de... C'est des trucs culturels, on voit la petite aura verte autour. Une dispersion des graines aussi, ok. Bon, va falloir qu'on relance de la recherche culturelle, en attendant on va lancer ça. Donc ici, on n'a pas grand monde à mettre. Où est-ce qu'on pourrait... enlever du monde. On peut peut-être se permettre de prendre une personne de moins là. Le forgeron, tant pis, on va le laisser à deux. Les cueilleurs. On est quand même plutôt couvert, hein, en termes de... ressources d'avance. Donc on va commencer à travailler sur nos recherches plutôt. Et je pense qu'on va aller chercher ça. Non, parce qu'il faut 10 outils. Ça, il faut 10 outils. Donc on va faire un truc un petit peu tout con, type ça. Des outils de la roche boréale, des instruments de musique. Ah, diantre! Ça coûte rien. Allez, c'est parti. Il va quand même nous falloir une personne de plus aux outils, parce que... visiblement, c'est problématique. Bah écoute, bref, ça devrait aller aussi, normalement. Pas de raison. A priori. Je croise les doigts. Du coup, le nouveau bâtiment qu'on a fait, c'est l'atelier des arboristes. Donc,
Il veille à la santé des arbres. Il dispose de bras mécaniques qui facilitent le transport des souches et des arbres tombés. D'accord, pourquoi pas. Dans les quartiers, là, on avait quoi? Quartier convivial, ouais, non, c'est pas trop ça. C'est plutôt ce quartier-là qui, éventuellement, aurait ce qu'il faut. Atelier du forgeron, maison en pierre. Ça doit être le quartier artisanal, peut-être qu'à l'arboricole. Ici. Ok, ils arrivent les mecs, faut qu'ils bossent là. Je pense hein, que niveau haut, bon là c'est la saison sèche donc on va laisser les trois bosser, mais en vrai un seul, enfin deux peut-être, ça suffit. Ça suffit largement. Et eux sont bientôt de retour. Donc déjà, la nouvelle tablette. On a vu que c'était instantané, donc on va la faire direct. D'accord, ça nous débloque des trucs autour du ponton, globalement, les tablettes. Donc l'épuration au sable et l'oxydation aux champignons. Ok, rigolo. Nouvelle recette, oxydation fongique pour le bassin d'épuration. Et ben, on verra après. Pour la faire, pourquoi pas. Ici, on n'a plus de champis. Il faut qu'on aille ramasser des champis. De préférence, pas dans la portée de ce truc. Tiens, là, il y a un magnifique champ de champignons. On va en ramasser un peu, même si normalement, on les récolte, je sais plus où, mais... Je crois que c'est ici. C'est en taillant, je sais plus quel truc. On récupère des champignons, normalement. C'est lui, non, ouais, c'est en cueillant le géant pétrifié, on ramasse des champignons. Ok. Ça doit pas être ouf parce qu'on n'en a pas suffisamment du coup. Après, j'ai enlevé du monde là, donc forcément, ça n'aide pas. Si on voulait renvoyer une expédition. Là, c'était le campement, on pouvait aller plusieurs fois. On pourrait les envoyer dans cette région forestière. Et salut Canton, bienvenue sur le live, ça fait quelques temps qu'on t'avait pas vu, j'espère que ça va. Un ruisseau, c'est pas gênant. Une lumière. Une lumière, ça peut être pas mal. Allez. On va les envoyer visiter la lumière. Là, on va s'arrêter, on a suffisamment de monde. Et j'aimerais bien qu'ici on puisse construire ce foutu truc. Ça va des grosses semaines de taf. Ah ouais, ça malheureusement. Je comprends. Et tu les portes avec tes petits bras, c'est ça? Les pylônes. On va faire une route là pour se rendre dans les trucs de récolte. Ça permettra quand même de gagner un peu de temps. Pareil là. Il sert de garant pour tous les constructeurs, ah oui. Ah oui, le petit projet, quoi. Oui, je sais que c'est pas ton cœur de métier, l'assemblage en lui-même. Ok, on a terminé ces maisons, parfait. Ça nous donne plein de place, mais là, ce qui est important, c'est cette maison-là, en fait, surtout. Parce que cette maison-là, elle va réactiver ce quartier, ce qui va être extrêmement intéressant. Donc là, il faudra qu'on fasse une infirmerie dans cette zone. On peut déjà faire une infirmerie, normalement. Tac, tac, c'est là. Santé, infirmerie. On
peut faire une infirmerie, donc on va faire une infirmerie. Il nous faut de la roche boréale. En fait, les géants de pierre, là, les géants, là, c'est ces trucs-là. C'est hyper important, hein. Parce que ça donne de la roche boréale, ça donne des champignons. Alors, l'expédition est arrivée. Une odeur âcre met les explorateurs en état d'alerte. Équipés de respirateurs, ils s'approchent d'une lumière étrange. Une fois plongés dans la lueur, les membres de l'expédition aperçoivent autour d'eux les images transparentes d'une cité venue de nulle part. Des habitations en nombre immense s'élèvent jusqu'aux cieux et des passants fantomatiques marchent sans bruit autour des explorateurs sans les remarquer. Aux extrémités de cette ville spectrale se trouve une mine à ciel ouvert et une machine en perpétuelle rotation. Ok, examinons l'appareil. La machine en perpétuelle rotation absorbe le sable fin à travers un compartiment frontal. Après un processus qui reste un mystère pour les explorateurs, la tour située à son sommet est alimentée en énergie et projette un rayon de lumière complexe dans toutes les directions. Il est probable que ce rayon soit à l'origine des images projetées de la cité. On va prendre du sable. J'ai pas envie de détruire la cité en pétant tout. Peut-être que c'est des vrais gens, sait-on jamais. Alors là, on en a deux au transport et trois qui font d'autres trucs. Donc les trois qui font d'autres trucs, eh ben, ça serait bien qu'ils fassent d'autres trucs, comme par exemple construire cette foutue maison. Non mais oh. Ici. Là, on cueille du champi. On va rajouter les petits bébés. Et ceux qui s'occupent de tailler, ils taillent ici, faire du légume. Du légume, ça va. Hein. On en a moins que des cossaqueuses, mais ça va. Et du coup, ils taillent de ce côté-là pour avoir de la roche boréale, c'est ça. Allez, taillez-moi les bébés aussi. Ok. Quand même plus vite sur les routes. Hein. Alors c'est bien de faudrait bien de ramasser des trucs aussi. Je pense que c'est intéressant de les ramener. Alors, ça y est, on a l'aménagement de l'espace public. Non, c'était pas toi. C'est toi qui l'as terminé. Yes. Du coup, on va partir sur ces trucs-là, je pense. Plus d'analyse. Ou alors, on disperse des graines. Non. On n'a pas assez de personnel. On va chercher l'impact environnemental. Ouais, parce que eux, ils peuvent transporter que 9 au maximum. Alors que eux, normalement, ils peuvent transporter 20 ressources en tout. Donc c'est mieux si c'est eux qui transportent. Le problème c'est que on n'a pas la population nécessaire. On va en mettre 3 à transporter, ça en laisse 2 pour les normalement construction. Même si je comprends pas pourquoi cette maison bug. Je vais la détruire. Ah d'accord, en fait elle est vraiment buggée. Ok, très bien. On va en faire une autre. Voilà, détruisez-la. Bon, du coup, ils sont partis faire la pharmacie, c'est pas si mal. Hein. Ça nous fera du point dès que la place des échanges aura pu être activée. Et là, en transport uniquement, ils sont 3, donc ils vont être bien plus efficaces. Et en plus, on ramène du monde. Alors, pause avant qu'ils aillent bosser sur autre chose. Et je pense qu'on va les envoyer là. Explorer la région forestière, voir un peu ce qu'il y a. C'est cool parce qu'il y a plein de choses à faire avec les explorations. C'est pas comme dans Frostpunk où
Au bout d'un moment, on n'a pas forcément grand-chose à faire. Au début, c'est la merde parce qu'il faut absolument tout faire. Et après, bah, au final, on n'a plus grand-chose à faire. Librar Boranger, on l'avait fait. Ah ouais, tout ce qu'on pouvait faire avec lui, c'était le tailler. Ok, d'accord. Enfin, l'arracher. Ce quartier-là, il a besoin de quoi comme plante? Des arbres. On n'a aucun, mais on pourrait éventuellement faire bouger des arbres à casquettes. Des sculptures. Est-ce qu'il y a besoin de petits bancs ou trucs du style? Des fontaines. Dans les nouveaux trucs qu'on a débloqués là. Non, on a débloqué des bancs. Là, on n'a rien de nouveau. Ok, donc ça ne nous sert pas pour le moment. Donc là, les deux, la bosse, une fois qu'ils auront construit ça, ils vont pouvoir s'occuper du reste. Forcément, c'est un peu lent, hein, mais... J'espère pouvoir trouver un peu de pop. Notre recherche est bientôt terminée, donc il va falloir qu'on aille chercher les... Comment ça s'appelle? La fabrique de médicaments. Il y en a besoin, hein. Fabrique pharmaceutique, infirmerie, unité de prévention. On peut en avoir deux, ça fait 200 points. Donc on aura une fabrique pharmaceutique et une infirmerie, c'est parfait. Et là, laboratoire, ça c'est pas tout de suite. La station météo, c'est pas tout de suite. Il nous faut juste la maison de plus qu'on va rendre prioritaire. Mais je sais pas pourquoi on peut pas la rendre prioritaire. Voilà. Il y a un bug avec ces boutons, visiblement. Et on a terminé la production de remèdes. Alors est-ce qu'on peut aller chercher ce truc-là? Voilà, parfait. L'oxydation fongique, ça va peut-être nous permettre d'être plus efficace là et de libérer du monde. D'ailleurs, toi, tu termines ton truc là. Et on va essayer de te faire faire autre chose. Alors, ça c'est terminé. Ok, est-ce qu'il faut que... Non, il faut pas qu'elle soit active. Donc tant qu'on n'a pas de blessure, on va pas s'embêter. On met rien dedans. Alors, l'expédition. Les zones herbacées sont généralement rares et peu étendues, mais aujourd'hui nos explorateurs ont la chance de découvrir toute une région touchée par la verdure. Les plantes ne sont pas belles, sauf si on considère qu'une forme de beauté émane de leur ténacité. Elles ne demandent que très peu d'eau pour s'épanouir, les fibres qui composent leur corps sont solides et résistantes. Il n'est pas question d'abîmer ce bosquet naturel, mais nos explorateurs auraient tort de ne pas prélever quelques échantillons. On creuse. Allez, on va creuser. Allons-y. Du coup... Non, c'est toi qui cherchais le... Attends, il est où mon... Ah non, il est dans santé. Oui, ok, il est là. La fabrique pharmaceutique, elle est là. C'est parti, on va lancer la construction. Alors ici, pourquoi on est à 0? Ah oui, parce que c'est ça qui donne le score, c'est pas ça, d'accord. Ça permet d'activer le score, mais c'est ces trucs-là qui donnent le score. Donc là, on est clairement pas bon, quoi. Y a pas autre chose qu'on peut faire. Galerie d'art, cantine, non, on a rien de tout ça. C'est où ça? Cantine. La beauté du monde. Les petites fontaines, elles sont là. Mais d'abord, il faudrait qu'on aille chercher ce truc-là. On pourra le faire, ça. Une petite place botanique, ok. Et du coup, ça nous ouvre aussi des recherches de type technique. Donc, il faudra qu'on aille chercher ça. Ici, on a le forum sphérique. On est... C'est pas tout de suite. Pour avoir ça, il nous faut 100 niveaux de culture si on veut aller chercher les bannières. Les mélodies, il nous faut de la musique. Ça, il nous faut des composites. Ok. Chemin d'argile ici. Ça pourrait être pas mal. Ah, on peut aller chercher la station météo. On a assez de culture. Ok. Donc il nous faut des outils globalement.
On n'avait pas moyen de faire des branches d'une manière ou d'une autre. Je crois que non, hein. Je crois qu'on peut faire des lianes, mais pas de branches sur cette map pour le moment. Ouais, c'est ça. Donc, obligé de fonctionner avec de la roche boréale. Donc, il nous faut un apport en roche boréale. Et ben, on va essayer d'avoir un apport en roche boréale. Si on descend en dessous de 200 nourriture, on va s'inquiéter. Allez, on termine cette jolie petite maison. Mine de rien, on a des enfants qui arrivent, c'est cool. Ça va faire de la pop en plus. Allez, on termine cette maison. Voilà. Et là, du coup, lui, il a ses trois maisons. On va faire 250. Ça va aider. Lui, il lui faut quoi? Des champignons. Des géants pétrifiés, des cendres pousses, des doigts des berges. Ok, c'est beaucoup trop loin tout ça. Techniquement, on aurait peut-être dû la mettre par là, mais vu qu'on avait commencé à construire nos bâtiments scientifiques par ici, c'est un truc à savoir. Plutôt le scientifique près des berges. Et salut Squash, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Après, il faudrait que nous fassions pousser des champignons, sinon là. Des champignons dans cette zone-là, là. Ce serait pas mal. Est-ce qu'il faudrait un puits? On pourrait mettre les puits. Rechercher les puits. Mettre des puits, ça nous donnerait des points. On a quand même 10, hein, c'est déjà pas mal, mais on pourrait faire mieux. On est à combien? 34 sur 40, donc on va avoir 3 nouvelles personnes capables de bosser dans pas très longtemps. C'est très bien. Ne fais pas des puits, mais des moulins à eau. Là, le seul intérêt de faire un puits, ce serait d'avoir le bonus de la place du quartier scientifique, hein. Y a vraiment, on n'a vraiment pas besoin. Tac tac tac. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire des petits trucs comme ça? Dans les coins, genre là, on a la place pour une petite table. Et puis on va mettre des petits bancs. C'est Shift pour pivoter. Des petits bancs là. À côté du quartier culturel. Même si ça donne pas de boost en tant que tel, ça fera joli. Donc ils sont vraiment en galère, hein. Il nous faut de la main-d'œuvre. Hein. Grandissez les enfants, grandissez. On a besoin de vous. Il est parti au deuxième là. Et partir ramasser un truc. Alors, on a terminé le niveau de compréhension. Ah oui, donc ça, c'était pour avoir un autre truc ici. Impact environnemental. Sauf qu'on n'a personne pour bosser dessus pour le moment, donc on va pas le faire. Ici, on a dit que ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher ça. Mais on a aussi la prévision météo. Non, ça c'est technologique. Tac tac tac, on avait un autre truc je crois. Après il nous faut, bah ça il nous faut de la roche boréale, c'est l'enfer. Des œuvres d'art pour ça. Ici on a quoi? La cantine. La cantine ça peut être cool hein. Là, tu blaguais pour rappeler le défi 2 de... Ah bah tu vois je l'avais même pas, je pensais que c'était une blague en rapport avec Against the Storm mais ça m'étonnait parce que je sais que tu l'aimes pas. Du coup je me suis dit ça, je me disais ça n'est sûrement pas ça. Ah, des abris soleil, ça c'est cool ça. Ah, mais il faut du tissu souple, on n'en a pas vraiment. On va aller chercher la cantine. Pardon, j'ai pas le bon bouton.
Mais il me semblait pour le moulin à eau, Squash, que le moulin à eau en lui-même donnait rien. Enfin, on trouve le vieux là, qui nous dit ah là là, mon fils a disparu, machin. Mais que pour faire le combat, pour déclencher le combat, il fallait avoir fait le Kraken ou un autre combat hyper dur avant. Mais je me trompe peut-être, hein, je l'ai jamais fait, mais il me semblait. Oh, elles sont classe les constructions quand même. Une petite table. Donc là, notre score commence à grimper là. Tu peux rester affiché? Ouais. On a une satisfaction qui monte, on a un petit malus à cause du nombre de morts, mais bah ça, on pourra jamais s'en débarrasser, hein. Ils en sont où? Ils ont bientôt terminé de creuser. Alors là, il n'y a plus d'eau. Vas-y, arrête-toi. Il y a du travail, c'est pas un problème. On va mettre deux citoyens là et on va demander des analyses environnementales. Alors, sur les trucs qui sont proches de nous déjà. Ça. Et les champignons. Voilà. On va déjà faire ça. Cela dit, on va remplir la file d'attente. On va faire ça aussi et le doigt des berges. Allez. Et la mission est terminée. Alors, à force de coups de pelle, les explorateurs finissent par percer la surface du sol, plus semblable à de la terre cuite qu'au terreau d'un jardin. Mais en réalité, le terrain qui se trouve en dessous est humide et d'une qualité rare. Il n'est pas étonnant qu'un bosquet se soit développé à proximité. Avec ce petit fossé creusé dans le sol, les explorateurs peuvent désormais tenter d'extraire les ressources végétales. Bah, prenons les ressources. Des graines, des épines et des céréales. Excellent. Alors, si on veut planter, je crois que c'est une amélioration de ça. Semis, ouais, voilà, c'est ça. Ça, on pourra le faire aussi. Il y a tellement de trucs qu'on peut faire de toute façon. Là, j'ai lancé la cantine, ouais. 10 jours, bon, ok. Très bien. Allez, vous me terminez le banc, là, et puis vous allez bosser sur l'analyse de terrain. On est descendu en dessous de 200 de plat. Après, on a lancé la cantine qui nous en a consommé un truc flat, donc on va pas s'affoler. Et on passe à 1000 de score, excellent. Excellent! Et là, ça va nous booster encore un peu plus quand on aura terminé notre fabrique là. Allez, on va avoir 3 personnes dans un jour. Ça va clairement nous aider. Ouais, c'est ça, Squash. C'est bien ce qui me semblait. Au début, c'est juste une conversation et. Une fois qu'on a tué le Kraken, en fait le monstre que le vieux veut qu'on tue, c'est le Kraken du coup. Et derrière, quand on vient le voir, il se transforme en combat, un truc du genre. Ok, on va pouvoir envoyer une personne de plus. Ah, il demande juste de trouver le moulin, Xebus. Je croyais que c'était résoudre l'événement, justement, j'avais cru comprendre. Autant pour moi. Du coup, on a fait la tablette. Alors. Ici, il nous faut du technologique. On pourrait aller chercher le travail du bois pour éventuellement faire des instruments de musique, pour aller chercher l'atelier de musique. Pourquoi pas? Il y a ça aussi, la station météo, c'est du centre de recherche. On a débloqué l'arboriculture avancée. Ah oui, parce qu'on a le bâtiment, mais on n'a même pas encore construit le bâtiment. Tant de choses à faire. Il y avait la station météo, on avait dit la station météo. 30 outils. C'est parti pour la station météo.
Et on va construire un truc d'arboriculture, du coup. Alors, dans les quartiers, on a quartier convivial, quartier créatif, quartier historique, et là... quartier porteur, quartier artisanal, je pense qu'il y a moyen là qu'on ait besoin de ce genre de bâtiment dedans. Alors, si je peux l'activer temporairement. Yes. Donc, atelier des tisserands, menuiserie, atelier des arboristes, voilà, c'est ça. Fonderie, grotte aménagée, manufacture de sable, garage à sable, lisseur, stock de départ. Ah, genre le stock de départ, il nous donne un bonus, quoi. Je l'ai viré, moi. Ok, c'est bon à savoir. Et ça veut dire que du coup, on pourrait le poser là. Et à terme, avoir quelque chose. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu vague, Squash. Bah, d'autant plus qu'il me semble que de base, il y a plusieurs manières de discuter quand on le, trouve. Et elle donne pas tout accès à la quête. Alors, ce truc-là, il donne un d'ombre et un de matière organique. D'accord. D'accord, ok, intéressant. Donc en gros, ce machin-là enrichit le sol autour de lui. Excellent. Excellent. Donc là, pour nos quêtes, il faut qu'on construise ce truc et après qu'on fabrique, donc il faudra qu'on mette des gens dedans. Alors là, on a gagné nos personnes en plus et on a 5 enfants. Ah, c'est cool. 5 enfants pour le prochain endroit. On pourrait faire un quartier artisanal ici, du coup. Et refaire quelques maisons. Au niveau ombre. Matière organique, du coup, on peut voir maintenant. Et ombre, on a un petit peu d'ombre là si on voulait faire des maisons, pourquoi pas. Alors en termes de tronc et d'écorce, c'est kiff kiff. On va faire une maison, une autre maison, et on va faire un truc de quartier. Que j'aimerais bien faire plutôt central par là, donc on va faire une route. Ça c'est une construction, ouais. Et ici, on va faire un quartier là, comme ça il prend les cuisines, l'atelier du forgeron, le truc d'arboristerie et les maisons. Excellent, on va se remettre en vue normale, voilà. Et c'est le retour d'expédition. Et on a un petit peu de graines hein, qu'il va falloir qu'on plante à un moment. Alors, on peut retourner faire ce truc. C'est parti. Voir si on peut travailler sur l'almanach. Alors on n'a pas d'outils. Je sais pas ce qu'il va demander. Ici on va envoyer un mec. Et la quête c'est 10 remèdes purificateurs. Il faut du sambre cendre et des champignons. Ok, parfait. On va en faire un peu. Combien de temps ça prend? On sait pas encore. Cataplasme, on dirait un dérouleur à chiottes, quoi, le cataplasme. Une fois de plus, on se retrouve en dèche de personnel, mais c'est normal, hein. Et en dèche de roche boréale. Bah ouais, faudrait plus de monde là, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ces ressources vont bientôt disparaître. Alors... La surface délicate de la gourde fouettante libère de l'eau à la moindre entaille, favorisant le développement de matière organique. Et donc, elle ne répond pas aux tentatives de dispersion, mais elle apparaît naturellement à proximité d'autres plantes. Excellent. Et elle donne du bien-être. Et de l'humidité. Ah, c'est cool ça. Et du coup, on en a plutôt au milieu de notre village, donc c'est bien. Un peu là.
Faudra qu'elle se déplace un peu par ici éventuellement, mais faut, pour ça faut lui laisser de la place. Ok, on continue. On va faire les hydrarbres. On commence par les trucs qui sont assez proches de nous. Pas sûr que ça marche ça. Donc ça buguait tout à l'heure, je vais plutôt faire ça comme ça. Faut que les transporteurs ils se bougent les fesses là. Alors l'expédition est arrivée à destination. Eh, on n'a pas d'encre, c'est bien ce que je craignais. Donc là il nous faut de la résine. Je sais même pas comment on fait de la résine encore. La nourriture diminue, on en bouffe 113 par cycle. Ok. On est juste, hein. Là, par contre, on arrive à maintenir la production, c'est bien. La roche boréale, on a du mal. Du coup, bah, on a du mal pour faire les outils. Alors, le champignon. Moins 5 matières organiques. Ah d'accord, il épuise la matière organique, du coup. Et propagation invasive. Ok, bah on va les laisser se développer par là, mais je pense qu'ici on va les virer un peu. Hop, hop. Voilà, petit lag. Voilà. Tant qu'ils sont dans cette zone-là, là, on va les laisser, mais... Ouais, du coup, là, ils bouffent la matière organique des copains. Alors, ensuite, on va faire... je les ai mis dans la liste, ouais, déjà... Les champignons, c'est fait. On va faire les machins pétrifiés, là. Alors, on a juste aucun bâtiment qui correspond, quoi. On fait rien comme score. C'est la tristesse. Ça aurait presque le coup de le virer, ce bâtiment, pour le remettre ailleurs. Après, quartier créatif, ça donne, il en a besoin de quoi? Des clochettes à bec, des nénuphars, des lampadaires et compagnie, du chemin d'argile, on pourrait le faire. Quartier créatif, déjà on pourrait le faire, le problème c'est qu'on n'a pas la galerie d'art. Et le quartier convivial, cuisine, ah les autres cuisines sont trop loin. Baraté, abri soleil, des bancs, des lampadaires, des yourtes, des maisons à tourelles. Des arbres, du fructifère, des canaux. Perte du score parce qu'on a des doigts des berges. Ouais, on va débloquer la cantine, on partira peut-être sur un quartier convivial du coup. On verra. Ça sera peut-être plus adéquat. Vu nos possibilités et notre flore locale. Alors, nouvelle expédition, du coup. Ici on avait un marais. Ouais, du coup ils sont partis faire des trucs, malheureusement. Ta-ta-ta. Où es-tu parti travailler? Hop. Ici on avait un marais, donc. Avec des organismes étranges et lugubres. On va essayer de voir. Et on remet un mec. Voilà. Oula. Hop, 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 ça lag. On se détend. Tout va bien, jeu. Voilà, parfait, c'est bon. Alors ici, je sais pas s'ils l'ont ramassé ou si ça a été perdu. Peut-être que ça a été perdu. On a terminé du coup l'atelier des arboristes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Cueillette et lagage. Qu'est-ce que ça fait? Les citoyens récupèrent les éléments détachables des plantes telles que les fruits.
Donc ça, c'est comme un truc de cueillette, ok. Ils peuvent récupérer des fruits, mais uniquement sur les arbres. Et l'élagage. Ouais, en fait, d'accord, c'est vraiment le bâtiment qui permet de faire comme le truc de cueillette, comme les cabinets de cueilleurs, mais que les armes du coup. Eux, on pouvait pas les élaguer. Ah, on sait pas faire. Ah, on a débloqué par contre l'action élagage. D'accord, ok, il faut qu'on fasse la recherche pour savoir ce que ça donne. Très bien. Eh ben, on va utiliser notre laboratoire de terrain. Pour le moment, c'est pas grave, on met personne dedans. Et non, je ne peux pas élaguer des champignons, tu te rends compte? À quel point on nous bloque. Ici, on a terminé, du coup. Alors. En termes de trucs qu'on pourrait faire. Un peu de déco, mais non, il faut des œuvres d'art. On peut aller chercher ça. La place botanique et permettre de débloquer un petit peu les fontaines et compagnie. Ça, c'est du rouge. Il y a ce truc-là, non, ce truc-là, il nous faut. Les semis. Les semis, clairement, il va être temps. Et du coup, Zikino, bonjour, je crois que je ne t'ai pas dit bonjour. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Ouh la vache, il est méta ce champignon-là. Alors, l'arbre à casquette. De l'ombre, du bien-être et de la matière organique, ok. Et il pousse peu, mais il permet à d'autres plantes de s'épanouir à proximité. Cool. Et du coup, bah pareil, faut qu'on cherche l'élagage. Alors du coup, là, si je refais une analyse en surface, genre sur ça, on va pouvoir savoir ce que ça donne quand on l'élague. Comme un petit samedi au réveil tranquille. Oh bah oui, à 11h, c'est pépouze. C'est pépouze. Ici, il faudrait vraiment qu'on fasse plus de pierres boréales. Hein. Je pense que je vais aller piquer un petit peu de pierres boréales là-bas. Là. Parce que c'est vraiment une ressource centrale. Les champignons, ça nous permet de faire un peu de nourriture, mais on peut faire autrement. Oh, un arbre à bouquet malade. On va aller le couper. Si on a le temps avant qu'il meure. La roche boréale, c'est problématique. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes ici en train de rien faire? Bah écoute, je vais en enlever un pour qu'il aille un peu porter d'autres trucs, enfin arracher des plantes et compagnie. Alors, les doigts des berges, ils donnent du bien-être. Ah ouais, tiens, rigolo. Doigts des berges résistent aux tentatives de propagation en dehors des pourtours du lac, mais la présence de gourdes fouettantes peut l'aider à prendre racine. Ok. Excellent. Excellent, excellent. On va analyser les arbres, notamment lui. J'aimerais bien pouvoir en faire quelque chose. Peut-être récupérer au moins ses branches. Alors, la zone est envahie de roseaux qui se développent en formes si différentes les unes des autres qu'un œil non averti les jugerait comme appartenant à des espèces différentes. Un amas ressemble à une marionnette de paille, l'autre à des créatures ailées, et d'autres se recourbent sur leur propre masse, devenant des bobines de fibres. Parfait. En examinant ces plantes, l'expédition croise le chemin d'une femme à peine consciente, ses mains arthritiques fermées sur une gourde vide. Elle dit être à la recherche du corps de son frère qui s'est noyé ici il y a une dizaine d'années. Alors, on peut rechercher le frère. Non, on va lui donner de l'eau déjà, ça peut être pas mal. Sans l'équipement nécessaire, dans un environnement aussi dense et difficile à naviguer, la recherche du corps a peu de chances d'aboutir. Toutefois, l'expédition prend un après-midi afin de stabiliser l'état de la femme en deuil, l'encourageant à boire de l'eau malgré son dégoût et sa nausée, toutes deux caractéristiques d'une déshydratation. La sœur endeuillée semble se revigorer, mais elle insiste pour que sa recherche se poursuive. Elle pousse une récompense dans les bras de ses explorateurs qui sont contraints de la laisser partir. Ah bah, une tablette, c'est pas si mal en vrai. C'est franchement pas si mal.
Alors, nos réserves d'eau baissent un petit peu, mais ça reste quand même très correct. Le prochain cycle, là, on aura 5 personnes. On va en profiter pour mettre une personne de plus dans la production d'eau. Ah, il y a un autre champignon qui pousse là. Ça, c'est cool. Ça veut dire un peu plus de points. On a nos 10 remèdes, parfait. Donc après, c'est des pommades qu'il faut qu'on fasse. Et les pommades... Ah putain, il faut de la résine. Mais comment on fait de la résine? Peut être récolté sur les arbres et arbustes. Ok, bah du coup, on va l'enlever de là parce que de toute façon, on n'a plus ce qu'il faut. Donc il faut qu'on trouve comment faire de la résine. Peut-être avec l'élagage, du coup. Et bah on est coincé. On a réussi la prévision météo. Parfait. Est-ce qu'on peut choper un truc? Ouais, ça c'est du culturel. Mais il faut 80 niveaux de culture. Avec du chanvre. Pas sûr qu'on ait le même... La même notion de résine, ouais. J'ai pas fait de cantine. Faudrait que je fasse une petite cantine. Tiens, je l'avais débloqué. On va aller chercher le puits pour pouvoir avoir nos trucs. Ah non, il nous faut des outils. Ouais, on a plus d'outils, donc on va pas pouvoir faire de recherche de toute façon. Si on peut faire ça. Clarification par le sable. D'ailleurs, ça du coup, c'est débloqué. Ah, attendez, j'ai pas été voir ce que ça faisait. Oxydation fongique. Ouais, on va faire de l'oxydation fongique. Alors, ça change quoi? 20 et 2, ça donne 20. Et 20 et 2, ouais, ok, bizarre. Bah, ça va peut-être plus vite, hein, là, on va vérifier. On peut se permettre d'utiliser un peu de champignons pour ça. Ok, du coup. Une cantine. Donc, toi, on va en faire un quartier convivial. Voilà. Et on va poser une cantine. Peut-être dans nourriture, non? Oui. Alors, où est-ce qu'on peut le mettre? Ici. Et du coup, il faudra qu'on déplace nos cuisines. Parce que je crois que là, du coup, il faut qu'on ait des cuisines. Au moins une cuisine. Ok, donc on n'est pas obligé de détruire les deux. Stop. Allume-moi ça. Merde, je peux pas allumer. Ah, c'est embêtant. Bon, bah détruis les deux, c'est pas grave. Et on va les refaire juste là, du coup. Voilà, hop, deux cuisines. Et la cantine en priorité. Alors, l'arbre à bouquet. 5 de bien-être, c'est cool. En élaguant l'écorce, nous pouvons en déployer les feuilles. Ah, d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Il faut l'élaguer pour pouvoir faire le truc. Mais du coup, on sait pas le faire pour le moment. Enfin, on sait le faire parce qu'en vrai, on peut élaguer même sans savoir ce que ça donne. Mais on n'a quand même pas l'info. Bon, notre expédition était de retour. Non, elles sont pas revenues encore. On a 7 personnes qui glandent, intéressant. Ah bah oui, parce que tous ceux qui étaient dans les bâtiments que j'ai détruits. Bah on va les laisser bosser un peu. C'est pas plus mal. Du coup là, on va faire une analyse de ça. Hop, on récupère les ressources pour les cantines suivantes. Et en vrai, est-ce que les cantines seraient pas mieux par là? Il y a la place d'en mettre une là. Ah, il y a ce truc là. Ce truc là, on va le virer. Hop, on l'arrache. Toi, on t'annule. Toi, on t'annule. On va les faire plutôt proche de la cantine, les cuisines. Pas grave, on va laisser cet arbre parce que si je détourne la route, je pourrais pas faire ma cantine.
Et ils sont rentrés, parfait. On va lancer juste, voilà. Une cantine ici, on fera l'hôte là quand on aura arraché ça, et on va renvoyer une expédition. Alors ici, nous restait le ruisseau à explorer. Et bon, on va envoyer une petite exploration au ruisseau, après on fera l'autre zone. Là, on a terminé la recherche, on n'en a pas relancé, ça c'est mal. L'analyse des sols. 20 outils, ah bordel. Les outils vont être problématiques. Le baraté, l'abri soleil, on pourrait faire. Allez, en avant. On n'a plus d'écorce. Comment on fait de l'écorce? Cueillant de la cendre pousse. En arrachant de l'arbre à bouquet. Donc c'est les cueilleurs. On va mettre un peu plus de monde. Ouais, parce que la cendre pousse est hyper loin en fait, c'est ça qui est chiant. J'ai vu qu'il y en avait là-bas aussi. Non, mal vu. Ah si, tout là. Allez, on met un mec de plus. Tac tac tac. On va faire un peu de route. Voilà, pour faciliter la récolte. Non. À côté. Voilà. Ça prend deux cases les armes là. Y a pas des problèmes de son ou autre là? Parce que j'ai l'impression que mon PC lag bizarrement. Alors, les hydrarbes, des minéraux et des matières organiques. Ok. Et il se propage uniquement à côté des hôtes de son espèce. Nickel le son, ok, tant mieux. J'ai de nouveau commencé à avoir des problèmes de son qui grésillent là, de manière super moche sur des séries, notamment Terminator. Mais un peu blasé que ça revienne comme ça sans prévenir. Alors, on a construit des maisons. Non, on est en train de construire les maisons. C'est cool. J'aimerais bien que ça soit prioritaire, s'il vous plaît. Parce que sans outils, mine de rien, on fait plus grand chose maintenant. Et la roche boréale, bah, elle pousse plus trop, hein. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Ouais, il y a un petit lag à chaque fois qu'il termine une construction, en fait. Lui, il est en croissance, mais il est malade. Il y a d'autres cendres pousses là, tiens. Oh, il y en a pas mal. Si on voulait choper plus d'écorce. Non. Vous... On ramasse un peu d'eau sur le chemin, c'est pas très grave. Aucun bâtiment. Ah oui, c'est vrai qu'il faut un cellier, j'avais oublié. Un cellier. Voilà. Alors, l'expédition est arrivée à destination. L'expédition va puiser de l'eau pour se rafraîchir et aperçoit un objet parfaitement rectangulaire recouvert d'algues. Il découvre un caisson d'isolement médical. Une petite vitre révèle le visage d'une fillette qui ne doit pas avoir plus de 9 ans, dormant avec une poupée sur son cœur. Au vu de l'état de santé de l'enfant, le caisson semble encore en parfait état de fonctionnement, mais il sera sans doute difficile à transporter. Les explorateurs pourraient l'ouvrir et tenter de la réveiller, la petite, mais il est fort probable qu'elle ait été isolée pour des raisons de santé. Il faudrait peut-être mieux apprendre comment son caisson a échoué ici et s'il n'y a pas moyen de retrouver son peuple. On va explorer la zone.
Près du caisson, l'équipe retrouve les restes d'une caravane qui semble avoir été menée par un char avant. Les véhicules sont renversés, les caissons qu'ils portaient fracturés, certains vides, et d'autres abritent les restes séchés de leurs occupants. La scène est tragique. Tout le monde se demande combien de temps la petite est restée dans son sarcophage aquatique. Ils découvrent toutefois que cette caravane était bien approvisionnée en bandages et en remèdes. On va le ramener, comme ça s'il est infecté, bah on va infecter toute la cité par la même occasion. Ça me paraît une bonne idée. Par contre on avait une tablette je crois, ouais. On avait une tablette et la tablette nous débloque encore plus de postes dans la tour des transporteurs. Alors j'aimerais bien en mettre plus des gens dans la tour des transporteurs mais malheureusement c'est pas tout de suite. Pour le moins. Je pense qu'ici, si on pouvait rejoindre là, ce serait pas mal. Voilà. Le doigt des berges, ils n'ont pas encore réussi à l'arracher. Et là, on n'a pas ces bâtiments-là. Donc le seul malus qu'on a, c'est le doigt des berges ici. On va pouvoir l'enlever assez facilement. Il faut juste qu'on ait assez de monde. Voilà, on termine les constructions. Bon, alors il y a d'autres constructions à faire, bien sûr, mais ça veut dire que ça libère un peu de place. Ici, on en est où dans notre file d'attente? On a de la place. Niveau élagage. On va regarder ça parce que ça, j'ai vu qu'on pouvait les laguer. Ah, et là, on a découvert la dispersion des graines aussi. Donc il faut qu'on refasse des analyses de tous les trucs, en fait. Là, on n'a toujours pas trouvé, par contre. Alors, l'arbre sanctuaire. En l'élaguant, on peut récupérer des branches. Excellent. Et on peut disperser les graines pour que ça pousse. Doublement excellent. Alors là, du coup, ça va valoir le coup de mettre du monde là. Et on va élaguer ces arbres. Il y en a qu'on cueille pas, je regarde. Ouais, ceux-là on les cueille pas, on va les élaguer, ils sont un peu plus loin de la ville. C'est parti les gars, au taf. Et on a terminé les abris soleil. Parfait. Par contre je crois qu'on a toujours pas fait de foutus outils. Ça coûte rien, bah on va la faire. Hop. Et du coup, des abris soleil, je crois qu'il en faut là, au moins deux. Soit des abris soleil, soit des puits, on n'a pas de puits, donc go pour des abris soleil. Et on n'avait pas cherché les puits. Non, on n'a pas cherché les puits. Ah non, il fallait des outils, je crois. Ça va être où? Bien-être. Il faut de l'écorce. Ah, fuck. C'est trop la dèche d'écorce. On va devoir attendre un peu. Alors, impact environnemental. Le géant pétrifié n'a aucun effet sur le sol. Ok. Il se développe en saison sèche. Les spores empêchent toute autre espèce de pousser à proximité. Peut-être pourrions-nous utiliser ce spécimen pour bloquer l'avancée de plantes invasives. Les spores contenus dans le géant sont particulièrement nocifs pour les cendres pousses. D'accord. Ah, c'est rigolo. Pourtant, il pousse vers des cendres pousses, là. D'accord. Ok, intéressant. Il y a quand même... Enfin, je pense que là, on va commencer à avoir vraiment la complexité du jeu, là pour l'instant on est sur du builder assez standard, même s'il y a les quartiers et tout. Mais là on va commencer à voir la complexité du jeu, ça va vraiment être les interactions des plantes, quoi. Si on veut faire des barrières de telles plantes pour empêcher d'autres qui nous emmerdent de venir, etc. Là ça va être vraiment, vraiment compliqué. Alors, la bracasquette, on a découvert qu'on pouvait avoir... Oh, parfait, ça! Des fibres souples en élagant. J'aime beaucoup. Et on peut... le faire pousser. Ok, il nous faudra un autre cabanon d'écueilleur pour s'occuper, du coup, juste de la partie dispersion des graines.
va le faire par là. Parce que c'est plutôt de ce côté qu'on a des arbres. Et donc, il faut qu'on élague nos arbres. C'est parti. Alors là, des trucs souples, ça va vraiment nous aider. Hein. C'est vraiment la ressource qu'on n'avait pas. Alors, j'aurais préféré de la résine, mais on peut pas tout avoir. Hein. On n'arrive toujours pas à faire des outils, bordel. Vous voulez pas me prioriser ça, s'il vous plaît? Au moins faire un peu de... de trucs. L'arbre à bouquet, on peut l'élaguer pour de l'écorce. Bah voilà. J'espérais que l'élaguer donne autre chose en plus de juste le déployer. Mais du coup, bah c'est parti. On les élague aussi. Hein. Allez, les gars. Hop, hop, oula. Petit lag. Alors, on n'a pas des masses, des arbres à bouquet. Mais je pense que ça donnera plus d'écorce que les petites cendres pousses. Alors on a 4 transports, donc ça en fait un qui ne fait rien d'autre. Donc il y a un seul dédié au reste. Ouais, faut qu'on en mette un peu plus là. Alors, hydra-arbre orangerie, on peut l'élaguer pour de l'épine. Par contre, si on essaie de récupérer ses graines, il nous blesse. Très bien. C'est pas utile pour le moment, l'épine. Par contre, on a terminé toutes nos tâches, là. Ok. Reprenons l'impact environnemental. L'impact environnemental du cendre pousse, ce serait bien. Des clochettes. Il y a les poches avant, là, qu'on n'a pas fait aussi. Et du coup, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas élaguer, ça c'est pas des arbres. Est-ce qu'il y a des arbres qu'on n'a pas fait? Ceux-là, on a fait. Ça c'est pas des arbres, ça peut pas être élagué. Ça peut pas être élagué, les cendres pousses. Elles peuvent pas être élaguées. Est-ce que les pochettes avant peuvent éventuellement être élaguées? Est-ce que eux peuvent être élagués? Non, ils peuvent pas être élagués. Par contre, on n'a pas... Bon, il faut qu'on fasse une analyse pour savoir ce qu'on peut en faire. Est-ce que je les ai mises dans la file? Non. On va faire une analyse en surface. Hop, voilà. Rien de neuf. Ça, c'est un arbre à bouquet malade. On va essayer de le couper, ceux qui sont malades, si on peut. Visiblement, les cendres pousses ne sont pas bonnes pour les arbres à bouquet. Et je pense qu'on est pas mal, là, déjà. On va pouvoir enlever peut-être une personne. Pour accélérer le reste du développement. Alors, il y a un petit arbre qui pousse, là. Alors, je vérifie. Là, on a les dégâts, on a. Là, il n'y a rien. Là, on n'a pas les graines, on n'a pas les graines. On a tout. On n'a pas les graines, on n'a pas les graines, on n'a pas les graines. Là, on a les lagages. Là, on n'a pas les graines. Et là, on a tout. Ok. Ok, ok, ok. Et on a terminé l'épuration au sable. Ce qui est fort bien. Pas hyper utile, très honnêtement. Juste, on n'a pas assez d'outils pour faire quoi que ce soit de plus intéressant. On peut toujours pas faire le puits parce qu'on n'a pas d'outils. Bordel.
La station météo, on pourrait la faire aussi. Ce serait pas inintéressant en vrai. Des outils, bah on va devoir arrêter les recherches pour un petit moment, donc vous, vous venez. Et on a 10, ça. C'est de la taille. Ok, donc il nous faut plus de monde ici pour la taille. Si on veut avoir de la roche boréale, il n'y a pas le choix. Et ouais, nos aliments baissent, mais en même temps, on n'arrive pas, on n'a pas refait nos cuisines, hein, donc c'est un peu normal. Ah, ils ont de l'insolation s'il fait 55 degrés ou plus dans le bâtiment. Tiens, j'avais pas vu qu'on avait cette info-là ici. Trente-sept degrés à l'intérieur, quoi. Au secours. Oh la vache. Bon, j'ai vécu dans des endroits où on avait jusqu'à 45 à l'intérieur, et hein, c'est de l'enfer, quoi. Il commence à avoir du monde qui court partout, hein. Alors, eux, ils sont rentrés, un citoyen va rejoindre la cité, dont un enfant. Ouf, il lui reste tout juste assez d'eau pour continuer à fonctionner jusqu'à la cité. Ok. Alors attention, qu'est-ce que vous faites? Ah non, c'était 10 jours pour préparer le truc au transport. C'est pas qu'ils sont arrivés, d'accord. Autant pour moi. Je pensais qu'il leur fallait 10 jours pour rentrer. Obligé de bosser en urgence là-dessus, quoi. Tac, tac, tac. Donc, on va disperser les graines. Ici. Ici, on va essayer de faire un peu plus d'ombre autour de nos quartiers. On est d'accord que ce truc-là... On peut récupérer des graines dessus. Mais en fait, ça disperse les graines, mais j'ai pas l'impression que ça va les aider à pousser. Toujours pas réussi à faire notre cuisine, quoi. Allô? Je me demande si ces trucs-là, ils sont pas buggés, en fait. Avec le chargement de la sauvegarde. Oh, bah j'avais pas vu d'ailleurs. Il est largement temps que on arrête l'épisode de VOD. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je vais boire un petit coup. Et après, on va essayer de recharger la partie, voir si ça débloque les trucs. Bon, le jeu est toujours en early access, hein, donc des petits bugs sont pas forcément déconnants. Néanmoins, il est toujours très bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a toujours un petit code de... Enfin, une petite réduction à 15% sur le jeu si vous voulez l'acquérir. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.